Salut tout le monde, ici Darkizae et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui portera, comme vous le voyez sur l'écran titre, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, sorti sur Game Boy, développé par Nintendo, bien évidemment. Alors, pourquoi DX? Parce que c'est la version Deluxe, c'est-à-dire que cette version était compatible sur Game Boy Color et elle offrait un nouveau donjon aux joueurs. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce Zelda? Tout simplement parce que réellement c'est le deuxième Zelda que j'ai joué, mais j'étais bloqué dès le début du jeu quand j'étais petit parce que j'étais vraiment à chier. Bon, là l'intro se relance. Hop. Oui, je sais, j'avais fait juste un test avant, hein. Donc je disais, ouais, j'ai été bloqué quand j'étais petit dès le début du jeu. Et puis il se trouve que j'ai laissé le jeu traîner pendant des années et des années sans le faire. Suite à quoi, bien sûr, je l'ai fait et terminé. Et ce jeu est tout simplement énormissime. Et j'ai décidé de vous faire partager ce let's play de ce Zelda. Ah bon, j'ai essayé avec Fraps, mais le rendu est pas super terrible, je crois, hein, niveau qualité. Alors je sais pas si c'est que moi ou... Alors je sais pas si c'était juste pour l'introduction ou si ça faisait pareil dans tout le jeu. Là, je suis avec Camtasia, on verra. J'espère que ça décalera pas. Allez, c'est parti, on lance une nouvelle partie. Et bien évidemment, je vais lui amener mon personnage, Link. Allez, on y va. Ah, enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devrais cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu n'es encore pas traque. Je suis Marine, tu es sur l'île Cocolint. Hop. Donc voilà, hein. Donc on l'a vu dans l'introduction, Link était sur son radeau et a été frappé par un orage. Et donc on nous apprend qu'on est sur l'île Cocolin. Cocolint, je sais pas comment on dit, je crois qu'on dit Cocolin, mais je suis pas sûr. Et donc, on sait pas où on est, on recherche Zelda et allons parler à ce monsieur. Franchement, ce jeu est tout simplement mythique, légendaire, hein. Et beaucoup de joueurs tels que Jean-Luc Grenier disent qu'il est vraiment excellent, que c'est un des meilleurs Zelda et je suis totalement d'accord avec eux, hein. Ce Zelda est juste énorme. Les musiques de ce jeu, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on va parler à Tarquin, je crois qu'il s'appelle. Salut Link, t'es réveillé? Je suis Tarquin, tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? C'est gravé sur le bouclier. D'ailleurs, il est à toi. Je te le donne. Et voilà, on récupère donc notre bouclier. Pour récupérer votre bouclier, utilisez-le pour repousser vos ennemis. Alors, faut juste que je trouve les boutons. Ok. Par contre, je vais changer. Voilà. Ouais, c'est bon comme ça. Ok, donc on sait pas trop où il faut aller. Mais comme on a échoué sur la plage dans l'introduction, logiquement, on se dirige là-bas. Bon, alors autant vous dire que le jeu, je l'ai fait qu'une seule fois. Non, deux fois. Donc je ne me rappelle plus exactement de tous les donjons ni de tous les trucs. Donc vous m'excuserez si j'oublie certains endroits, certains trucs et tout. Mais franchement, regardez-moi ça. Pour de la Game Boy, les décors sont juste magnifiques, franchement. Les musiques sympas et les décors magnifiques. Et voilà notre épée dans l'eau. Oh putain, et la musique de Libo. Écoutez juste la musique, hein. Ouh, ouh, cette épée est donc à toi. Je comprends pourquoi les monstres s'agitent tant. Celui qui doit réveiller le poisson rêve est arrivé. On dit que pour quitter l'île, cette personne doit d'abord le réveiller. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Je t'y attends, ouh, ouh. Donc voilà, il est question d'un poisson rêve et de le réveiller. Mais ça sera pour plus tard dans le jeu. Enfin, ça sera vraiment à la fin du jeu qu'on le verra. Mais franchement, les musiques de ce jeu sont énormes. Et là, c'est parti, on va reprendre notre épée. Tu as retrouvé ton épée, c'est la tienne car il y a ton nom dessus. Et là, la musique que tout le monde connaît. Allez, c'est parti, on va castagner du monstre. Bon ouais, par contre ça fait quelques bruitages assez bizarres, hein. Bon. Ah bon, mieux vaut ces petits bruitages là que des... que des décalages, j'espère qu'il n'y en aura pas.
J'espère franchement pas. Ça me saoulerait, surtout pour Zelda. C'est juste que Fraps, bizarrement, il faisait plus de bruit que ça. Donc, on trouve... Donc, dans ce Zelda, il y a quelques particularités. C'est-à-dire, on a certains objets qu'on peut trouver en tuant des monstres, donc des glands. Tu seras mieux protégé contre tes défenses. Ouais, ça, j'ai passé en appuyant sur B. Donc, en fait, le gland, bah, si on est... Je crois, il nous immunise pendant 3 coups. C'est-à-dire que pendant 3 coups, on peut se faire toucher, on perd pas de dégâts. Ou alors, on perd moins de dégâts. Mais il y a un autre objet... pardon. Qu'on verra un petit peu plus tard. Un quart de cœur, appuyez sur Select sur le sous-écran. Okay. Donc le premier quart de cœur. Et donc, il y a un autre objet qui augmente notre force et qui pulvérise, mais faut vraiment le dire, pulvérise les ennemis. Donc voilà, la forêt du Nord. Ouh, bienvenue à la forêt enchantée, mon brave garçon. L'île Cocoline est abonde en mystère et n'existe sur aucune carte. Son règlement est unique. Tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve dormira. À propos, as-tu visité la cave Flagello située au sud du village? Vas-y avec la clé cachée dans la forêt. Le poisson rêve te regarde. Ouh. Mais franchement, regardez déjà les jeux de lumière. Hein. Par exemple là, lumineux, parce qu'on est en dehors de la forêt, et là on rentre et c'est sombre. Franchement, pour de la Game Boy, hein. Game Boy, c'est magnifique, c'est génial. Allez, c'est parti. Bon, je pense pas que j'attaquerai le premier donjon, hein. Ça sera vraiment le début du jeu, donc savoir trouver les premiers objets. Et on s'arrêtera là, j'attaquerai pas le premier donjon tout de suite, hein. Parce qu'il est assez long quand même. Mais en fait, quand j'étais petit, voilà, j'étais bloqué ici. Ce que vous allez voir. Alors, ce raton ladur fait, hé hé, tu vas te perdre dans la forêt, hi hi, bien fait. Donc si en fait, on va là-haut... Bah, c'est comme dans assez nombre de Zelda, c'est les bois perdus, donc on se perd et on revient dans un autre endroit. Je suis un raton laveur espiègle, et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Alors ça, faut bien retenir le mot poudreux, parce que c'est ça quand j'étais petit que j'avais pas compris, et j'étais bloqué à cause de ça, je savais pas quoi faire. Alors je ne spoil pas, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas spoiler, mais j'étais bloqué à cet endroit à cause d'une connerie, vous allez voir pourquoi. Donc là, retenez bien qu'il y a un raton laveur. Bon, par contre, moi, je vais directement au but, hein. Hop, fumier de chauve-souris. Et je crois que c'est les premiers Zelda où on voit les trous fissurés. Parce que je crois que dans aucun autre Zelda, il y en avait avant. J'ai trouvé 50 rubis, merveilleux. Bah, déjà, pour un début du jeu, 50 rubis, c'est franchement pas mal, hein. Ils sont quand même super généreux, la Nintendo. Enfin, bon. Hop. Voilà. Ensuite, on ramasse le champignon là. Tu as trouvé le champignon, un arôme subtil exalte ton sens à l'odorat. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris ce champignon. Ce n'est pas pour rien. Non, attendez, avant que je fasse une connerie. Voilà. Alors j'aimerais bien trouver l'autre objet pour vous montrer un peu ce que c'est. Hop, allez, je vais casser la petite chauve-souris là. Tant pis pour le rubis. Mieux vaut se casser que de se faire latter. Non, c'est pas par là, c'est par en haut. Donc vraiment, au début du jeu, on sait pas trop où il faut aller. On est un petit peu largué. Ah voilà, c'est ça. Regardez. Un fragment de puissance. Tu peux sentir l'énergie envahir ton corps. Alors à mon avis, c'est un fragment de la Triforce, hein, mais bon, je suis pas sûr, mais vu la forme, ça ne peut être que ça. Alors déjà, j'ai l'impression, ouais, Link se déplace un peu plus vite dès qu'il a un fragment de puissance, et ses coups d'épée sont monstrueusement puissants, en plus de projeter les ennemis au loin. Oh là là, c'est bien lourd, oui, je sais, tu n'as pas encore les bracelets de force. Regardez, hein. Alors, franchement, ça, c'est excellent. Dans un donjon, si vous avez la chance de trouver ça, franchement... Bon alors ça c'est des blobs, hein, ne pas taper pour ne pas se faire électrocuter. Par contre je vais prendre le champi. Voilà. Tu m'apportes le champignon qui endort. Bon, dardard, je te concocte une mixture. Excellent la musique. Ça y est, tout est prêt. Attention, il y en a peu. Veux-tu la tester ici? Tu as la poudre magique. Essaye de la saupoudrer sur plein de choses. Et voilà, bien joué, essaie donc ceci sur tes ennemis, et surprise, si tu es à court, va chercher des champignons dans la forêt.
je te préparerai une nouvelle dose. Avec cette poudre là, en fait, il faut juste saupoudrer le raton laveur. Merde. Yo, t'es Kieblo? Oui, je suis Kieblo, je suis bloqué. Et je disais donc, ouais, avec cette poudre là, bah, il faudra saupoudrer le raton laveur et vous verrez ce qui va se passer. Mais quand j'étais petit, j'étais bloqué à cause de ça. Et le jeu, je l'ai laissé des années, mais des années, hein, je rigole pas, des années sans le finir, sans y revenir. Seulement parce que j'avais pas compris qu'il fallait utiliser la poudre sur le raton laveur. Bah pour moi c'était un animal comme un autre, je veux dire, je voyais pas l'utilité de... Enfin, j'avais pas vu qu'il fallait utiliser la poudre dessus. Mais en fait, il faut le faire. Et regardez, hop. Donc là, il tourne, hop. Et ouais, c'était Tarquin. J'ai cru que dans un champignon et je suis devenu un raton laveur. Après, je sais plus trop, mais c'était trop rigolo. Moi, je pense qu'il a croqué dans un champignon hallucinogène, parce qu'il est complètement pété. Oh là là, je me sens tout drôle, faut me reposer avant de rentrer. Ouais, bah, repose-toi bien, parce que là, t'es vraiment... pas dans ton assiette, hein. Et donc voilà, on arrive devant ce coffre qui contient... Tu as la clé Flagello. Tu peux ouvrir la porte de la caverne dans de la cave Flagello. Et encore une fois, ce hibou. Ouh, avec cette clé, va à la cave Flagello. Prends l'instrument qui y est dissimulé. Dépêche-toi, le poisson rêve attend. Et voilà. Donc maintenant on peut se diriger au premier donjon. Ouais, non quand même, je pense que je vais vous faire le premier donjon. Parce que sinon la vidéo serait quand même relativement courte. Enfin, je vais voir. D'abord, faut que je voie déjà si le jeu n'est pas décalé. C'est ce qui serait quand même relativement frustre, ce qui serait quand même super frustrant, sachant que c'est un très bon jeu. Ça me ferait extrêmement chier qu'il soit décalé. Alors, ouais, attendez. Avant de me rendre directement là-bas, on va aller quelque part. On va aller... là. Alors, c'est un magasin. Ils disent magasin, mais en fait, c'est un mini-jeu. Regardez, il y a Yoshi au milieu. Jeu de hasard, jeu de la partie d'Irubi. A et B, déplacer la grue, après tu vas calculer ton timing, dirige-toi vers les boutons, blablabla, ok. Donc, on appuie sur B pour le faire bouger à gauche. Hop, ensuite A. J'espère que j'ai bien fait. Hop. Yes. Excellent. Allez, rends-moi mon Yoshi. Donc, ce Yoshi ne sert à rien, si ce n'est qu'il faut le truquer contre un autre objet. Donc, le système des échanges dans les Zelda, hein, très classique et très récurrent. Tu as gagné un Yoshi, ouais. On le voit partout, celui-là, il y a un truc comme ça. Je sais pas si le sac, ça me redonne juste de la poudre ou si ça me fait augmenter. Je vais essayer de l'avoir. Bonne chance. Alors. Par contre, je vais attendre le prochain tour. Parce que le truc, c'est qu'il faut vraiment calculer à l'avance pour bien choper le sac. Ah, trop tard. J'ai encore chopé le cœur. Oh là là. Je suis mauvais. Oui, mais non, mais je m'en fous du cœur. Allez, on réessaye. Ouais. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'espère juste que ça me redonne pas des munitions, mais que c'est bien une augmentation. Tu as gagné la poudre magique, tu peux la saupoudrer sur plein de trucs. Oh non, c'est juste une recharge. Bon, je suis déçu là. Bon, tant pis. Donc ça, c'est un chien, et non pas un renard. Et si on le tape, bah il nous attaque. Mais j'ai pas envie de me faire tuer par un chien. Alors avant de me rendre à la suite, donc pour le donjon, je vais d'abord parler à lui. Une partie de pêche, mon gars, ça ne te coûtera que 10 rubis. Oui. Avec ouais, ok. Évaluer la distance de ton lancer, dès que le poisson est ferré, presse vite A et B pour remonter. Alors bien évidemment, il faut essayer de prendre les gros, hein.
Mince, c'est pas celui-là que je voulais, bon tant pis. Ce n'est que du fretin, tu n'auras que 5 rubis. Je vais essayer, mais en même temps... Alors... Non, mais pas toi! Oh, putain! Je veux le gros, là! Bon, au moins, j'ai les parties gratuites si je chope un poisson. Donc là, je laisse couler. Alors là, faut marteler le bouton parce que ceux-là sont assez lourds à choper. Allez, pop, pop. Il est énorme, récompense, je t'offre 20 rubis. Un autre essai? Ouais. Alors j'essaie de choper celui du bas là. Mais j'ai compris, vas-y. Alors hop. Mais non, pas toi. Oh putain, bon. Tant qu'on y est, on les prend tous alors. Bon après je ferai juste une petite coupure pour voir si ça a bel et bien enregistré la partie et je continuerai après, promis. Hop, bon, là ça doit être bon. Hop hop hop, allez mort. Ouh, t'es un petit coriace toi. C'est un gros et en plus il a un fragment de cœur. Je t'offre aussi 20 rubis. Un autre essai? Il n'y a plus de poisson. Veux-tu essayer la pêche en mer? La pêche en mer? Bon, ouais. C'était pour rigoler. Allez, salut. Bon, bah, au moins, on a déjà 2 quarts de cœur, ce qui est très très bien. Alors, ah oui, oui. Il faut pas que j'oublie aussi un autre truc. C'est que là, il y a un coquillage. Et les coquillages serviront à avoir l'épée niveau 2. Voilà, tu as trouvé un coquillage. Donc, il faut trouver 20 coquillages. Par contre, je sais vraiment plus du tout le remplacement. Je ne m'en rappelle plus du tout. Ouais, allez. Je vais juste faire une petite coupure, voir si ça a bel et bien enregistré. Je vous retrouve tout de suite après. Allez, à toutes. Voilà, chose promise, chose due. Donc je suis allé vérifier et apparemment, bah, tout est ok. Bon, bah, c'est tant mieux, hein. Donc j'ai pas de décalage, en tout cas, je n'en ai pas vu. Donc c'est franchement excellent. C'est une très 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 bonne nouvelle, parce que je pensais vraiment que ça allait vous faire décaler. Alors que visiblement, bah non. C'est très bien. Pour une fois, Camtasia, tu me fais pas chier avec les jeux Game Boy. Oh là là. Bon. Allons-y. Premier donjon, donc. Ah là. La cave. Flagello. Allez, c'est parti. Niveau 1. Cave. Flagello. Bon, heureusement, je l'ai refait ce matin, le jeu, un petit peu. Je l'ai recommencé. Donc je m'en rappelle, hein. Hop. Bon, par contre, il y a quelques bruitages qui sont mauvais, mais ça, j'y peux rien. Mais bon, franchement, je pense qu'il vaut mieux ça que tout le jeu qui plante, hein. Tu as la boussole. Maintenant, tu peux voir où sont cachés les coffres et le boss. Si une clé est dans une salle, un son te préviendra. C'est ça, le progrès. Et ouais. Ça, franchement, c'est franchement quand même pratique, hein. Le petit son qui nous dit tout pour dire qu'il y a une clé. Oh là là. Ou qu'il y a un coffre. Ah oui, ça c'est génial. Oh putain, dans le donjon. Alors, avoir ça dans un donjon, comme je l'ai dit, c'est vraiment énorme parce que ça aide vraiment. Tu as une petite clé, tu peux ouvrir une porte. Là, 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 ok, ça m'en fait 2. Ça me fait 2 petites clés pour l'instant. Hop. Je vais prendre le rubis. On n'a jamais trop de rubis. Oula, ouais. Faire gaffe surtout ne pas rester dans les trous. Donc là, faut mémoriser qu'il faut revenir avec les bombes. Merde. Il faut y revenir avec les bombes. J'ai trouvé 20 rubis. Oh, joie. Ouais. Bon, par contre, là... Par contre, si on se fait toucher normalement une fois avec le fragment de puissance, on le perd, hein. Donc, faut faire extrêmement attention. Pour l'instant, que des petites clés. Là, ça sera la clé du boss. Ah non, ouais, si on se fait toucher 3 fois, on perd l'objet, ok. Bon, pour l'instant, là, j'ai déjà visité, d'accord. Bon, c'est un premier donjon et assez franchement court, hein. Court et simple.
Les premiers donjons sont toujours en guise de tutoriel. Donc là, ces monstres, pour les battre, en fait, il faut aligner les trois formes. Donc, par exemple, si on commence par le trèfle, il faut que les autres aient le trèfle en forme... Enfin, quand on les tape, il faut qu'ils aient le trèfle. Merde. Alors, le trèfle... Voilà. Vous trouvez un bec de pierre, allez compléter une statue de chouette. Si tu vois les pointes, pense à utiliser ton bouclier. Donc voilà, une autre particularité de ce Zelda aussi, c'est que on peut trouver les becs de pointe, donc qui servent à mettre le bec dans la statue de la chouette pour qu'elle nous parle et nous donne des conseils. Et là, elle nous a dit, ouais, si tu vois les pointes, sors ton bouclier. Vous allez comprendre pourquoi. Alors non, c'est pas ces pointes-là dont elle parle. Mais plutôt... non, elles sont pas là, mince. Fail. Oh bon, c'est des monstres récurrents dans les Zelda portables, hein. C'est une sorte de tortue avec les pointes par-dessus. Là, hop. Voilà, ça. Et voilà, on ouvre un autre passage. Regardez, il y a même des Goombas. Et si on en saute dessus, on obtient des cœurs. Franchement, c'est quand même vraiment sympa, les références à Mario et compagnie. Alors, c'est surtout à Mario. Je crois que même dans les passages sous-marins, il y a même des chip-chip. Donc là, un cœur en haut, mais on peut pas le prendre. Alors, je pense que vous vous doutez bien de quel objet on va avoir. Eh oui, tu as la plume. Soudain, tu es plus léger que l'air. Donc la plume de Rock, hein, bien évidemment, nous permet de hop, sauter. Voilà, tout simplement. Franchement, pour l'époque, c'était génial, quoi. La panoplie de mouvements qu'on pouvait faire pour ce premier Zelda sur Game Boy, c'était juste génial. Hop. Ouais, franchement, la plume de Rock, les raccourcis qu'elle offre, c'est excellent. C'est énormissime. Ok, alors, ensuite, je pense qu'on arrive au mini... Je pense qu'on va arriver au mini-boss bientôt. Ouais, par contre, faudrait que je retourne à l'entrée après, parce que je crois que j'ai oublié le coffre où il y avait la carte. Ce qui peut être assez handicapant. Ouais, mini-boss. Donc, mini-boss assez simple, il suffit juste de sauter. Et de le frapper, pour l'empêcher d'aller utiliser son rouleau compresseur, là. Et voilà. Bon, autant vous dire qu'avec le fragment de puissance, ça passe à la vitesse de l'éclair, hein. Alors je retourne juste à l'entrée parce qu'il me semble vraiment bien que j'oublie un coffre. Peut-être là. Peut-être. Je dis bien peut-être. Ouais, il y a un coffre ici, donc ça doit être la carte sûrement. Exactement, la carte. Allez, donc ça peut toujours aider. Surtout dans ces Zelda sur console portable, ouais, la carte ça aide pas mal, hein, franchement. Normalement j'ai pas de clé. Si j'en ai une, d'accord. J'ai rien dit. Oh mais génial, un autre fragment de puissance, moi je le prends. Ensuite, hop, par le nord. Là je crois qu'il n'y a rien. Je dis bien je crois. Je sais pas à quoi elle sert cette salle. Je pense pas qu'il faut faire ça. Non, apparemment non. Bon. Bon, ok. Je sais pas trop à quoi elle sert. Tant pis. Allez, on continue. Hop. Bon, faut vraiment faire gaffe, hein, parce que ces machins, ils nous foncent dessus, mais à la vitesse de l'éclair. Merde, non, c'est pas la bonne salle. Un petit cœur, ça pourrait être sympa quand même. Non, évidemment, Zelda, tous les meubles sont des radins, ça on l'avait quand même compris. Toi, à plus. Non, mais c'est déjà pour vous dire que le donjon est déjà fini. Hein. Parce qu'on a la clé du boss et le donjon est terminé. On aura juste qu'à battre le boss. C'est fini. Ah bon, à part la salle où ils font les bombes, mais là on peut pas y aller parce que on n'a pas les bombes.
C'est tout con. Allez, oh. En tout cas, je suis vraiment très 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 content de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, ce Zelda, parce qu'il est franchement énormissime. Hein. Mais à tel point... Oh là là. Grosse claque, ce Zelda. Grrr, grrr, un intrus. Oula. Ouais, par contre, aussi, ils font mal. Bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors. Le pire, c'est qu'il est pas dur parce qu'en 3 coups, il est mort. En 3-4 coups, il est foutu. Merde. Ah, d'accord, ça ramène là. Hein, hein. Bon. Bon, excusez-moi de ma piètre performance. Oh putain, fumier. Putain, mais non, mais c'est pas vrai, je suis nul. Jury, mais je l'ai battu ce matin, je l'ai défoncé en rien, on en a rien de temps. Et là, je galère. Bon, aussi, regardez les dégâts qu'il fait, hein. Un cœur. Voilà. Jury. Et voilà, premier boss fini, premier donjon terminé. Et sérieux, écoutez-moi. Écoutez-moi juste la musique au moment où, où on va prendre le violon. Non, 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 pas celle-là, mais écoutez juste après. Tu as le violon des vagues. Écoutez, écoutez, juste maintenant, je me tais parce que c'est magnifique. Non, mais la petite musique. Ta-na-na. La musique complète à la fin du jeu est magnifique, vous verrez. Marais, la route mène au marais fleuri. Voilà, on a fini le premier donjon. Alors on va juste se diriger au village Cocolin et on arrêtera la vidéo là. Ouh, c'est un des instruments des sirènes. Tu es brave et je t'avais sous-estimé. Cet instrument, utilisé avec les 7 autres, a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Collecte ces 8 instruments. Je suis ici pour t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones, situé au nord. Ouh. Non mais franchement, les OST de ce Zelda sont magnifiques. Là, j'ai rien à dire. Et le premier qui me dit que c'est dégueulasse, c'est vraiment qu'il a rien compris aux OST. Hein. Non, franchement, vous pouvez pas dire que la musique, au moment où on... Le petit passage au violon, il était magnifique, sérieux. Monsieur, monsieur, c'est terrible, c'est horrible, c'est des gogos, des momos, des moblins sont venus dans le village. Ils étaient une armée, ils sont sortis, ils sont entrés, oui c'est ça. Ils sont entrés là et ils ont pris le Milou, non, non, ils ont pris Toutou. Il vaudrait mieux que tu ailles voir ce qui s'est passé. Ah, donc les meublins sont allés dans le village et apparemment on volait Toutou. Toutou, c'était quoi? C'était... Ah bah oui, merde, en plus je l'ai pas dit. Dans le début de la vidéo, vous avez vu qu'il y avait un chomp ici, attaché. Encore une référence à Mario, et si on va là-dedans, regardez, un petit chomp. Enfin, une, parce que c'est une petite chomp normalement, c'est une fille. Donc voilà, on nous apprend que le Toutou, donc c'est le nom du chomp, a été kidnappé par des meublins. Et malheureusement, bah c'est la fin de la vidéo. Et donc, nous verrons cet enlèvement, excusez-moi, dans le prochain épisode. Voilà, j'espère que ce nouveau let's play bah, vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce magnifique Zelda. Allez, bye bye tout le monde!